Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul nose. Ben écoutez, on commence tout de suite. Alors, on va commencer avec ce lot de 8 rouleaux de sopalin. Voilà, que j'ai eu à 7,99€ chez Tonton. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ensuite, oulala. Alors de la marque Trèfle. On a 24 plus 8 gratuits. Voilà, qui se présentent comme ceci. Ce sont des papiers PQ, hein. Je ne sais plus comment je les ai eus. Si j'ai les prix, eh ben, je vous les mettrai pendant le montage. Maintenant, on va attaquer le carton. Alors, dans ce carton, on a des petites chaussures qui se présentent comme ceci pour mes petites. Je les ai eues à 2,99€. Donc du coup, bah, j'en ai pris deux. Hein. Super jolie, j'aime beaucoup la couleur, magnifique. Donc pour la saison qui arrive, c'est juste parfait. Alors ensuite, je vais prendre les boîtes. J'ai trouvé une boîte à biscuits qui se présente comme ceci. J'aime bien, elle est bien grande avec son couvercle. Voilà, et la boîte, je l'ai eue à 2,99€. Franchement, super jolie boîte. Ensuite, j'ai pris sa petite sœur ou son bébé, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc, pour 1,50€, j'ai pris une petite boîte à thé qui se présente comme ceci. Elle est aussi mignonne, j'aime bien les couleurs, très très jolie. Donc voilà, boîte à thé à 1,50€. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer mes thés. Donc du coup, j'avais trouvé un thé noir. 85 degrés en 3 et 5 minutes. Donc voilà, c'est cap and cap. Voilà, pour 2,49€ à essayer, thé noir. Ensuite, pour 2,59€, j'ai trouvé du thé vert avec du ginseng qui se présente comme ceci. Donc c'est en boîte. Donc voilà, thé vert avec ginseng. Fresh Focus, un petit tox. Donc voilà, c'est un thé détox que je vais essayer, bien sûr. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon top 3 de mes infusions préférées, ben, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien quelque part par ici. Donc voilà, et là, je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc thé vert avec du ginseng. Voilà, pour 2,59€. Ensuite, j'ai pris un shampoing à base de tea tree, donc arbre à thé, hein. Un shampoing qui se présente comme ceci pour 1,50€, donc shampoing usage fréquent à l'extrait d'arbre à thé. Donc, voilà, à essayer. Ensuite, j'ai pris un bain de soleil, huile de jojoba et sucre de canne, donc lait corps et mains hydratant. L'instant spa, ça se présente comme ceci. Je l'ai senti, ça sent super bon. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. Franchement, j'aime énormément. Je fais un petit test tout de suite. J'aime bien l'odeur, mais bon, après. Bain de soleil. Crème hydratante. Ah ouais, ça hydrate, hein. Ah bien. Ça ne colle pas, ça sèche assez rapidement. Ah, ça laisse un doux parfum. Pas mal. Ensuite, j'ai pris une huile essentielle à base d'arbre à thé, donc 100% pure, 10 ml, 1,60€. Voilà. Une autre huile. Huile de macadamia pour 1,59€. Donc la marque, c'est Jardin d'Oléane. Hein. Ensuite, j'ai pris de la poudre d'Alain. Donc tonton Alain. Hein. Non, je crois qu'on est bêtises. Alors pour 1,99€, j'ai trouvé cette poudre. C'est la poudre d'Alain. Donc toujours les Jardins d'Oléane. C'est la même marque. Donc 1,99€. On va passer aux cosmétiques maintenant. J'ai trouvé de la marque Just Cosmetics des ombres à paupières. Qui se présente comme ceci, donc j'en ai pris deux. Vous voyez, je sais pas, vous allez bien voir les couleurs. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Alors, par ici, je crois.
Voilà, pour 69 centimes hein, l'unité. Donc du coup, j'ai pris les deux que j'avais trouvé dans le bac. Ensuite, je me suis trouvé un petit pinceau pour 75 centimes. Donc, pinceau maquillage qui se présente comme ceci. Il est tout fin, je n'en avais pas des comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai trouvé un infuseur qui se présente comme ça. Alors cet infuseur, il était à 75 centimes. Je trouve ça cher quand même pour un petit truc comme ça. Chez Tonton, ils auraient pu nous faire ça à 50 centimes. Hein. Mais bon. Ok, alors ensuite, j'ai trouvé des serviettes pour mes gamins. Des serviettes de table, donc c'était des lots de 2. Donc lot de 2, 99 centimes. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, dedans, il y a 2. Et du coup, j'ai récupéré 2 autres dans le bac. Parce qu'ils n'étaient plus dans leur emballage. Donc voilà, super sympa. Quand tout le monde passe à table, donc eux, ils ont leur petite serviette. Ensuite, j'ai trouvé un bandeau à 50 centimes. Hein. Donc, bandeau éponge, coton. C'était à 2 euros à la base. Moi, je l'ai trouvé à 50 centimes chez Tonton. Ensuite, j'ai trouvé pour mon lit, tête d'oreiller, 63 par 63, 100% coton, 2,50 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des collants opaques satinés pour 2,99 euros. Ça se présente comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, well. Alors, ensuite, et pour finir, j'ai pris tout un lot. J'ai pris les 5 qu'il y avait dans le bac. Donc, ce sont des collants. La marque, c'est toujours OL. Donc, 1,99 €. Pourquoi j'en ai pris autant? Je vais déjà vous faire voir. Parce que je ne les trouve plus en commerce, nulle part. Je ne trouve plus cette couleur, du moins la teinte. J'aime énormément. Attendez. Donc voilà, je ne trouve plus cette teinte. Voilà, c'est la seule que je mets. Ça évite. Voilà. Quand là, elle est trop claire, ça fait briller. C'est pas joli. Alors que là, c'est bien ma teinte. Et encore, habituellement, je les prends légèrement plus bronzées que ça. Plus foncées que ça. Donc voilà. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit prends-les. C'était à 1,99 €. Hein. Du coup, j'en ai pris 5. Bon, il y en avait 5. Allez, hop. Et hop. Donc voilà, j'ai pris les 5 qu'il y avait dans le bac. Les 5 qui restaient. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Voilà quoi. J'ai été embrouillée par quelqu'un qui est en face de moi là. Il m'a embrouillée. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce petit partage vous aura plu. J'ai pas trouvé grand chose cette semaine chez Tonton. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous passez par là. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !